j'ai estimé nécessaire de vous inviter à participer à cette conférence de presse. Alors, premier point conférence de presse, c'est question, nous-mêmes, au niveau cadeau, on va fixer notre position, on va dénoncer les agissements des policiers et à l'encontre du militant politique dénommé Design. Parce que cadeau, comme organisme de droits humains, il y a une position pâle par rapport à ce qui passe à un militant Design. Et deuxièmement, moi invité la presse parce que il y a une question de l'agence qui a parlé et je voulais make sure que nous-mêmes, dans le niveau cadeau, alors c'est pas le cadeau là, c'est l'avocat qui parle pour nous porter des clarifications claires. Et si je dis clarification, c'est sûr, sous question adjacent et venant avec tout document généralement quelconque qui montrait que le cabinet d'avocatus ainsi que tout l'autre membre qui était fait partie du cabinet, qui a collaboré avec l'agence, tout démissionné parce que nous venons réaliser que nous avons affaire avec un arnaqueur, un bandit, un désordre, un vagabond qui n'a pas respecté nous. Et dernier point, je pense que nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous avons fixé position sous question détention préventive prolongée. Si nous faisons des interventions, nous faisons des propositions et nous remarquons qu'il y a des avancées, légères avancées qui faites, mais nous toujours dit on n'est pas satisfait parce que ce n'est pas ça le besoin. En plus des audiences correctionnelles, etc., donc il y a d'autres choses qui sont faites juste pour permettre que les gens qui sont en prison soient souffrés. Alors rapidement, je vais parler comme avocat et je vais parler comme défenseur de la monde. Et dans le monde qui a posé des questions, est-ce que la liberté d'expression est menacée par rapport aux agissements des policiers? Est-ce que ce sont des policiers du commissaire du gouvernement? Est-ce que ce sont d'autres policiers? On a posé une question pour ça, sur ça. Comme défenseur de la monde, comme journaliste, si nous-mêmes n'avons pas dénoncé ça, prochainement, nous devons nous-mêmes. Et je dis honnêtement, quel que soit le propos grivois que Design t'a dit, mais t'a lancé, moi-même estime que les comportements des policiers étaient dépassés. Parce que, un, Design pas menaçant. L'homme dit menaçant comment? Est-ce que Design de Wash Nomen? Est-ce que de mon bâton? Est-ce que de mon matraque? Est-ce que de mon couteau? Pourquoi toutes ces brutalités policières à l'encontre d'un militant politique qui s'exprime? Maintenant, pourquoi ça ne pas arriver dans une situation que maîtriser? Je regarde une vidéo mentir tout à l'heure, ma femme. Bon côté moi, c'est box police à voir Design. C'est box. C'est-à-dire que ce coup de poing demain. Pour qui ça? Parce qu'il s'exprime, on ne doit peut-être pas d'accord avec elle, ça n'a pas intéressé, ça n'a pas dérangé, mais nous-mêmes nous estimons que ces actes peuvent être considérés comme des actes de maltraitance. Et c'est ça que les violations doivent nous. Et moi, je pense, 24 heures après, 48 heures après ça qui passé, l'inspection générale de la police est supposée réagir parce que ce n'est pas l'image de la police qui a besoin. Automatiquement, quand vous maîtrisez le sujet, vous n'avez pas besoin d'utiliser corps à corps. Et nous-mêmes, au niveau cadre, nous dénonçons, puisque nous ne sommes pas les avocats principaux de M. Design, c'est la raison pour laquelle nous donnons, nous offrons une assistance supplémentaire. Parce que nous ne savons pas si le grand avocat ne sait pas du tout. Maintenant, si l'avocat a fait suivi juridique auprès de l'inspection générale de la police, maintenant, ce qui a trait au comportement des policiers, le cadeau, bien les avocats du cadeau sont prêts à accompagner gratuitement le militant Design. Pour que ça m'insiste sur ça. Dans la bataille pour l'état de droit, dans la bataille pour le respect de la monde, dans la bataille pour la liberté individuelle, dans la bataille parce que nous ne voulons pas répéter encore. Le ça répéter devant le parquet, son mauvaise image que lui. Et vidéo a été fait le tour du monde, donc Dieu seul sait qui vient commentaire. Qui gagne en bas vidéo ça. Et nous même dans niveau cadeau cap défendre droit monde comme organisme de droits humains, nous dénonçons et nous dit publiquement que l'inspecteur bien l'inspection générale de la police doit faire ce qu'on appelle une auto-saisine. C'est-à-dire faut au moins il y a autant de dossiers pour connaître pour qui ça qui pousse les policiers comme ça. Est-ce qu'il y avait besoin
d'agir de la sorte. Je pense que M. Frisefort a pris une nouvelle là. Maintenant, Arnel Rémy mandé à travers le cadre, mandé pour yo tendre policiers ça. Maintenant, pour yo mener une enquête et de proximité pour connaître qui ça qui était poussé pour agir, parce que nous-mêmes jamais au grand jamais on ne devra tolérer la perpétration et la répétition de tels actes. Ça est pour son cadeau. Nous même dans niveau cadeau là accompagner design s'il vous plaît. Maintenant s'il pas veut tout, nous nous abstenons de fournir notre assistance, mais cependant comme avocat, nous disons que bon leçon pour bail, bon exemple pour tracer comportement ça parce que c'est venir répéter dans bouche parquet côté que c'est symbole justice. Deuxième point, vous voyez que je dis M. Arnel Rémy est tellement accompagné de dossiers, de documents, et je voulais que chaque journaliste prenne le soin pour comprendre ça. Et nous tous connaissons comme avocat de défendre le monde, comme avocat des militants, comme avocat des pauvres, des vulnérables, etc. Et comme petite soyette, nous faisons tout ça, nous connaissons qui nous pouvons nous, pour nous être intègres et sérieux. Parce que si nous ne sommes pas intégrés sérieux, dans plus de tâches, dans plus de responsabilités, dans plus de dossiers, nous ne sommes pas prêtés. C'est parce que nous sommes sérieux et honnêtes. L'avocat qui travaille peut assister n'importe qui. Mais pour nous, c'est pour connaître ce dossier, son dossier qui est sérieux, mais qui n'est pas sérieux. Nous-mêmes, comme avocat, il fut un temps, je le répète, il fut un temps. Il y a une agence qui était constituée cabinet. Une agence. Angel travaille l'agence pour s'amener le rébus. Devin dit mettre Rémy aider. Et comme de fait, nous avons assumé nos responsabilités, nous aider. Nous recevoir propre pour lui. Comprenez? Parce que nous sommes ensemble de monde qui devait voyager, etc. Maintenant, il arrive d'ailleurs ça fait un petit cabinet. Mon cabinet au service de cette entreprise. Pensant que nous étions en train de faire un bon travail. Je mettais sur le cabinet, tout le bagage net, ça fait pas peur, ça m'a dit. Maintenant, il arrive à un certain moment, le monde a vu payer pour son voyage, nous commençons par une enquête. Est-ce que les voyages auront lieu? Est-ce que les voyages n'auront pas lieu? Ça fait nous vivre une situation où là, nous sommes obligés d'un conflit avec PDGA. Parce que qu'est-ce qu'il fait? À chaque somme déposée, il y a un monde, il voit venir récupérer la somme. Ça veut dire qu'au niveau du cabinet, nous ne sommes pas qu'un combat. Il y a un combat qui est mon dos là. L'arrivée dans la situation où ça nous est chaque cop qui vient s'il vous plaît, à nous dire attention, si vous avez un conflit, il faut quitter le cop là. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas fait, il faut quitter l'âme car vous mettez. Et comme de fait, l'un des copes est dans le banc comme ça, il est obligé de couler pour dire bon, maître, il a quitté le cop là, etc. Tel bas a fait des gens, si vous voulez. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Planification et a fait, etc. D'ailleurs, nous-mêmes, ma pote précision, à aucun moment, Arnel Rémy n'a pas recevoir violence contre le client PI. C'est très important. C'est très très important. Ça fait, après le dossier, ça, donc PI peut être une balle déposée, une menace grave et caractérisée, parce que Guénoumou qui t'a prétexté que Arnel Rémy n'a pas connu. Jamais! Il travaille pour être. Je préfère tout perdre pour préserver ma dignité, mon sérieux. Maintenant, le voyage commence par faire. Nous commençons à comprendre. Frustration commence à lever, frustration commence à faire, commence à frustration, qui s'en fait, nous-mêmes comme avocat, nous dit tout le monde qui est victime, vient récupérer comme dans le cabinet. Clair! Et nous avons reçu nous là. Voilà, tout le monde qui est victime de voyage à fait là, nous remettons comme illico. Maintenant, le PDG, qui s'en fait là, il fait collaboration avec deux, trois individus, deux, trois vagabonds. Attendez bien, oui. Nous regardons un document là pour nous. Excusez, aïe, pardon, il est tombé. D'accord. Nous regardons un document là pour nous. Un document côté que. Excusez-moi, quand même. Un document, qui est bien. Un document côté que il y a deux individus qui étaient venus au cabinet pour signer un document disant que le responsable voyage, le responsable avion, donc le PDG. John Max et François les a autorisés à recevoir 115 000 dollars américains. C'est que moi, je ne peux pas jouer comme avocat. À travers le document, ça, on a pris deux signatures.
c'est non lundi, Michel Chou, Renel Rémy comme avocat, le d'avocat je sens, et puis Jeff Noël, qui signe pour recevoir 115 000 américains. Donc c'est moi qui ai contre-signé ce document, parce que la loi du début de mon temps qui a signé début de passé 16 août, il faut moi écrit. Et comme de fait, cette somme a été versée sur les comptes bancaires de Sénon Lundi et de Jeff Noël. 115 000 américains. Il a dit là, nous-mêmes, comme avocat, par contre, c'est pas plus me faire signer. Quelques semaines après, COP fin versé, voyage pas fait. Donc ça qui avait dit ça, ça veut dire que même monsieur qui est venu dans le cabinet qui dit que voyage, ils n'ont pas pu respecter l'engagement. Et qui ça ne fait même côté là, l'un de ceux qui c'est des autres qui ont fait, nous venons là, nous faisons mandat d'amener. Nous faisons mandat d'amener. N'arrêtez-vous déjà. C'est non lundi. Mais n'arrêtez Jeff Noël. Jeff Noël actuellement à la pénitentiaire. Il est en grève pénitentiaire. Mais nous disons qu'actuellement, là, nous sommes à la recherche de Sénor Lundi et Adel Guillaume. Ce sont ces messieurs qui étaient venus au cabinet signer pour la avec la collaboration du PDG, signer pour la réception de 115 000 dollars américains pour un voyage. C'est ça qui fait ma prendre le soin pour me dire que tout le monde, client, qui est victime, a un élément qui n'a rien voulu. Ils ont l'adopté l'argent à parler. D'ailleurs, à aucun moment, nous n'avons pas de verser comme ça. Donc, c'est vrai. Nous avons avocat, monsieur, l'un constate qu'il y a des autres, à travers une conférence de presse, nous dit que nous démissionnons, nous virons devant monsieur. Et puis nous-mêmes, comme avocat, on a fait des matchs. Et le dossier est pas devant le commissaire Gentil Souvenir. Et le dossier est dans le cabinet. Et nous recherchons les autres acteurs. À savoir, si nous le disons, nous disons lundi avec Adel Guillaume, un, interdiction de départ d'ailleurs, deux, mandat d'ailleurs. Ils ont le devoir de vomir rapidement ces 115 000 là. Pour qu'on remette mon lieu. Et on a toujours dit tout le monde qui montait sur Facebook, qui a spéculé, qui a parlé de tête sous prétexte sur un électorat, qui a dit vous êtes trompé. Parce que même tout ça, on fait avec sérieux et intégrité. Tout le monde connaît. Si nous avons un avocat en question, nous estimons qu'il y a des autres motifs pour nous. Et après, que nous venons avec bloc costume là, pour ça, nous venons avec elle, c'est parce que mon temps que nous sommes dans le cabinet, l'un constate qu'il y a des autres, nous remettons tout. Ça fait plaisir d'être une fâche avec nous. Nous ne sommes pas supposés remettre corps parce que ça ne fait pas bon. Et nous-mêmes, nous connaissons les gens qui étaient restés ensemble avec lui, qui étaient d'accord pour voyager, qui ont pris responsabilité à jeune monsieur. Donc, nous déchargeons de toute responsabilité, nous ne pouvons pas rencontrer sur corps. Donc on a dit, moi-même, par contre, dollar dans le même ce que je fais les procédures légales pour que nous arrivions à arrêter les gens qui vont arrêter. Donc, dernier point, je vais finir rapidement. C'est question qui a rapport à la bataille que nous avons menée pour détention préventive prolongée. Et nous avons toujours dit, nous-mêmes, au niveau cadeau, nous faisons des propositions. Nous faisons des propositions. Nous avons dit, un, pour arriver à combattre le phénomène de détention préventive d'Italia, il faut organiser des audiences correctionnelles et des assises criminelles. Il faut que vous fassiez ça souvent. Deux, qui ça nous dit, il faut que vous aménagez plus d'espace pour permettre des assises organisées. Avec deux audiences, deux salles d'audience, comment on peut organiser des assises qui peuvent permettre de désengorger prison? Et ça nous dit. Deux salles d'audience, pas suffit. Nous dit ça. Et troisième point, ça nous dit, il faut que digitaliser le système infrastructure judiciaire. Ça veut dire toute machine à taper 1940-1950, il faut commencer à retirer le système, puis commencer par informatiser le système, digitaliser le. Mettez tout document sous format USB, sous format clé, sous format électronique. Pour qui ça? C'est parce que le y a payé des cambriolés parquet, cassé parquet, puis y a pas dit dossier tel prévenu perdu, dossier tel détenu, ordonnance perdue, exécutoire perdu, etc. etc. Nous-mêmes qui s'en blé. Oui, nous le gouvernement fait effort, mais nous-mêmes au niveau cadeau, on n'est pas encore satisfait parce que l'épine dorsale ou bien le véritable n'a pas encore été posé. Parce que actuellement, on a fonctionné, mais pas en sécurité pour l'infrastructure judiciaire. Donc, tout dossier là, est-ce que le dossier est sécurisé? Nous ne connaissons pas. Pour qu'il s'allait au casser pour quel dossier a perdu, nous ne connaissons pas. Maintenant, si vous mettez tout le bagage dans le format informatique, format électronique, nous pensons que dans plus l'effort qu'on fait, dans plus l'effort qu'on fait, et ça permet que vous désengorgez véritablement sans casser la nous. Donc, je dis là, c'est plusieurs points que nous devons débattre avec nous. Nous avons toujours dit, un, résumé, c'est que nous dénonçons le comportement des policiers à l'encontre du militant de nommé Design. Il n'y avait pas lieu à utiliser toute cette brutalité, parce que Design n'était pas menaçant. De deux,
on a toujours dit la question Angel travail agence 6 ça n'a dit et n'a pas dit encore et moun qui a menacé moun d'aime qu'on voice là de un certain Peterson lui qui son client sagesse Salomon qui bon moun Peterson lui m'attend nous parce que ou dit ou venir ma manchette dans cabinet je t'attends mon ami. Les voix sont là, le voix a été verbalisé. On a fait ce que doit. Il m'attend nous parce que dis-moi, venez ma manchette, vous pouvez jouer. M'attend nous, Peterson. Pas de problème, je suis là. Je suis sur les locaux du parquet. M'attend nous. Et troisième point pour finir, c'est que on a dit que bataille pour essayer de désengorger prison, il n'est pas chita seulement organiser audience correctionnelle, mais il demande une digitalisation du système judiciaire, il demande une modernisation parce que. Grand pile monde qui souffre dans la prison là, c'est parce que dossier perdu. Le cas c'est pas créé dossier disparaît et jusqu'à on parle à voilà, il y a un dossier en gros, c'était objectif de faire ça. Merci beaucoup.